Jusqu'à la fin du XVIe siècle, les Chamoniards vont, sans jamais baisser la garde, réussir à sauvegarder leurs droits immémoriaux. Seules les populations de quelques hautes vallées du nord des Alpes bénéficient de tels privilèges, à Abondance, à Sixte ou encore dans le Valais. Cette justice locale rendue en public peut se montrer sévère, notamment face au crime, à l'adultère et surtout à l'hérésie. On condamne les coupables au bûcher, à la pendaison ou à l'amputation d'un membre. Ces cas restent heureusement assez rares. Pour les délits moins graves, des amendes fixes sont prévues. 10 livres pour avoir vendu de la mauvaise marchandise, porté des armes ou omis d'entretenir les chemins et les ponts, longeant sa propriété. Et 60 sous pour avoir joué de l'argent aux cartes ou aux dés. Soucieux de leurs droits, les Chamoniards le sont aussi de leurs finances. Alors qu'une partie du bourg est à reconstruire suite à un important incendie survenu en 1522, ils se lancent dans une rébellion contre l'impôt. Il faut dire que leurs espoirs en ce domaine viennent d'être sévèrement déçus. En 1519, le prieur Guillaume de Laravoir, âgé de 80 ans, a décidé de faire rattacher Chamonix à l'autorité ecclésiastique voisine, la collégiale de Sallanches. L'abbaye de Saint-Michel de la Cruse a alors perdu son influence. La maison de Savoie prend au contraire de l'importance et souhaite administrer directement certains territoires. Pour ne pas perdre sa mainmise sur cette vallée, pauvre mais pas tellement dénuée de ressources, l'Église la confie donc aux chamoines de Sallanches. Au départ, les chamoniards s'en montrent plutôt satisfaits. Ils pensent que leurs nouveaux maîtres vont non seulement confirmer leurs droits, mais aussi diminuer leurs charges. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Et une fois encore, la résistance s'organise. Les habitants cessent de s'acquitter de certains impôts, notamment des dîmes. Les prieurs de Saint-Michel de la Cluse ne sont plus là pour arrondir les angles et l'infraction est portée devant toutes les juridictions possibles. Au bout de 2 ans, les chamoines de Sallanches décident de hausser le ton. Ils envoient des sergents pour faire exécuter les premières peines rendues contre les mauvais payeurs. Leurs émissaires reviennent aux bredouilles, se plaignant d'avoir été maltraités. En 1535, la situation s'envenime. Les chamoniards sont tout bonnement menacés d'excommunication. Ils obtiennent un nouveau délai de paiement de 3 mois qui leur permet d'entrer à l'église pour faire leur Pâques. Mais au début de l'été, ils n'ont toujours pas respecté leurs engagements. C'est au tour du bailli de Faucigny, un fonctionnaire chargé de faire appliquer les décisions de justice, de se rendre dans la vallée. Le pauvre homme et ses accompagnateurs sont accueillis par des jets de pierre. Les querelles et les procès avec la collégiale de Sallanches se poursuivront jusqu'à la veille de la Révolution française. Effectivement, on a sauté la glacière de Chamonix, où en fait, moi, ce qui m'a frappé en redécouvrant l'histoire de cette vallée, c'est que jusqu'à l'an 1000, on n'est pas complètement sûr en fait, que les habitants vivaient ici. Il y en avait certainement, mais on n'en a aucune preuve. Et dès que l'histoire écrite de Chamonix commence, c'est-à-dire à partir du moment où des moines viennent s'installer ici et vont laisser des traces écrites et nous permettre d'être certains que, voilà, qu'il y a des gens qui vivent à Chamonix, et ben, l'histoire de ces habitants, c'est tout de suite des histoires d'opposition. Et les moines s'installent chez eux, les chamoniards, ils n'ont pas envie de se plier aux règles qu'on veut leur imposer. Et c'est quelque chose, il me semble, qui va marquer le destin des chamoniards. Même jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est un peu ambivalent. À la fois, il y a une forte résistance de tout ce qui peut venir de l'extérieur. On est ici, on ne va quand même pas se laisser imposer des choses. Et en même temps, on va le voir par la suite. Alors, ce n'est pas le cas là, dans ces périodes moyenâgeuses, mais en même temps, les visiteurs qui, eux, peuvent avoir un intérêt, là, on va leur ouvrir les bras. Et on va savoir aussi développer le tourisme, parce que sinon, ça aurait été non à tout. Ça n'a pas été le cas, mais... Tout ce qui était contraintes financières, les impôts, le système féodal, il n'a jamais pu s'installer réellement à Chamonix. Et moi, ça m'a vraiment fasciné de voir comme ils étaient rebelles, en fait, ces chamoniards, et bien plus que d'autres habitants à cette époque. C'est un peu le dernier village de Gaulois, c'est ça? C'est un peu ça. Alors, ils n'étaient pas tout à fait Gaulois. Les pauvres, ils ont été baladés entre tout le monde, les Italiens, les Français. Toute la première partie du livre, c'est vrai que c'est... Alors là, vous avez vu, il y a beaucoup de dates, beaucoup de... Bon, quand on lit, et grâce aux images, tout ça prend forme, c'est assez austère, mais c'est vrai que les sources étaient elles aussi. Parce que j'en profite pour dire que, voilà, moi, je ne suis pas historienne à l'origine, donc je me suis servi des dizaines et dizaines d'ouvrages qui ont été écrits déjà sur l'histoire de Chamonix, souvent des choses
très spécialisés sur des points précis ou des époques précises. Et voilà, notamment, bah là, cette période, ma principale source a été celle de Roger Couvert-Ducret, qui a écrit une somme, voilà, sur, qui s'appelle « Une vallée insolite ». Alors c'est bien parce que c'est plein de détails, de choses qui sont difficiles quand on n'est pas historien, mais en même temps, il a appelé « Une vallée insolite » parce qu'il fait ressortir le caractère des Chamoniards. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le fait que c'était déjà pas une vallée comme les autres, avant même qu'on s'intéresse au Mont-Blanc. Et c'est ça qui est drôle. Les frères Charlet échangent un regard satisfait. Un trousseau de clés neuves à la main, ils viennent d'inspecter les chambres une à une et cette fois, tout est en ordre. Leur hôtel va pouvoir ouvrir ses portes. Depuis un vaste balcon à portique, ils regardent une diligence traverser l'Arve sur le pont de cour. Bientôt, c'est par là que leurs premiers clients arriveront, pressés de trouver le repos après un voyage épuisant. Ils ne seront pas déçus. Des chambres modernes, dignes d'une grande ville, une table raffinée, les meilleurs vins, des salons pour bavarder en lisant la presse internationale. Les deux frères ont joué la carte du luxe. Ils se concertent une dernière fois. Ce sera le grand hôtel de l'Union. L'adjectif grand n'est pas exagéré. Avec ses 3 étages, le bâtiment domine largement le centre de Chamonix, qui, en cette année 1816, n'est encore qu'un gros village d'une 30aine de maisons concentrées autour de la place publique, sur la rive droite de l'Arve. La construction de cet hôtel, en lieu et place de l'ancienne maison du vicaire, n'a pas été une mince affaire. Elle a même été à l'origine d'une légende, celle de l'ours, un habitant du hameau des Favrans qui, une nuit, se serait rendu sur le chantier pour se lever seul un énorme pilier de granit que les ouvriers n'arrivaient pas à redresser, avant de le reposer immédiatement au sol. Plus sérieusement, l'ouverture de ce vaste établissement répond à un réel besoin de la commune qui accueille des hôtes de plus en plus nombreux. Aux commerçants venus de Savoie ou du Valais pour participer aux foires de la vallée s'ajoutent désormais tous ces étrangers curieux de découvrir les glaciers. Ils sont plus de 1500 à se rendre chaque année au pied du Mont-Blanc. Jusqu'en 1770, les visiteurs se faisaient héberger par le prieur ou se contentaient de quelques gîtes à la réputation douteuse. Marie-Thérèse Coutran, la veuve d'un notaire, décide alors de transformer son cabaret en auberge sur la route du fond du bourg, aidée de son fils Jean-Nicolas. Elle améliore petit à petit la qualité des chambres et de la salle à manger. Son hospitalité est saluée dans de nombreux récits de voyage, aussi bien par Saussure et Boët que par le poète allemand Goethe, venu contempler le massif du Mont-Blanc en 1779. Cette auberge prend bientôt le nom d'Hôtel d'Angleterre, la moitié des clients arrivant d'outre-Manche. Même logique quelques années plus tard pour Jean-Pierre Terrasse, qui construit près du pont de la cour de l'hôtel de la ville de Londres, parfois appelé simplement « Hôtel de Londres ». Très vite, la concurrence devient sérieuse entre ces deux établissements. Il faut dire que le second a débouché l'excellente cuisinière du premier, se plaît-on à raconter. Puis ce sont les familles Paccard et Simon qui ouvrent 2 petites auberges. Là, c'est le lancement du tourisme à Chamonix. Et oui, effectivement, on avait regardé cet extrait parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai essayé de travailler, c'est-à-dire que là, les frères Charlet qui sont sur le balcon. Alors d'abord, moi, je me suis servi, la manière dont on a travaillé avec maman, c'est que je lui disais, bon, ben voilà, je vais forcément parler de tels hôtels, tels hôtels. Maman commençait à m'envoyer des images. Là, ça m'a vraiment servi, parce que de voir, il y a des petits personnages, vous verrez, qui sont au balcon de l'hôtel. Ben, d'un coup, je me suis dit, ben voilà, c'est les propriétaires, ils s'apprêtent à ouvrir, ils regardent, ils sont heureux, ils sont confiants pour l'avenir. Et voilà, évidemment, ça, c'est une scène voilà, qui est inventée, mais ça a pu se passer comme ça. Et puis voilà, c'est l'occasion de rentrer un peu dans cet hôtel et après de planter le décor du reste. On ne peut pas faire ça en permanence dans le livre, mais je trouvais que c'était important, comme ça peut être une matière quand même un peu... voilà, c'est l'histoire sur une aussi longue période, ça peut être un petit peu austère. Donc l'idée, c'était d'avoir des scènes ça allège plus vivantes. Et puis en plus, cet hôtel de l'Union, dans tout le chapitre, on le retrouve. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses. Après, ils vont installer des bains dans leur hôtel. Voilà, à un moment, il y avait des bains à Chamonix avec l'eau probablement pas chaude du tout et de l'eau sulfureuse qui devait sortir très très mauvais. Mais les gens étaient contents. Et c'était comme ça que ça, voilà, que ça avait bonne réputation. Voilà, ça a été un des états. Alors, l'hôtel de l'Union, malheureusement, on ne peut plus le voir, puisque c'est là maintenant que se trouve la poste de Chamonix. Voilà, je trouvais intéressant aussi de faire un zoom sur cet établissement qui a été très important dans l'histoire et puis qui n'est plus là.
Période décidément bien sombre au pied du Mont Blanc, en avril 1815, le volcan indonésien Tambora, qui dépasse les 4000 mètres d'altitude, est décapité par une éruption d'une puissance rare. Il perd 1500 mètres de hauteur. Des milliers de personnes sont tuées sur le coup et d'épais nuages de poussière se répandent sur tout le globe terrestre. Le climat s'en trouve modifié pour plusieurs années. Dès 1816, en Europe comme en Amérique, on observe un sérieux refroidissement au point de parler d'une année sans été. À Chamonix se succèdent averses de pluie et de neige, les récoltes sont détruites. Pour ne pas mourir de faim, on en vient à consommer des herbes sauvages. Les consorts d'Argentière vendent leurs alpages de balme aux habitants des Ouches contre du grain. Cet accident climatique ne fait que renforcer l'offensive des glaciers. Le petit âge glaciaire atteint son paroxysme en cette première moitié du XIXe siècle et les processions n'y peuvent rien. La mer de glace recouvre toute une partie du village des Bois. Au Besson, le glacier, après avoir détruit forêts et cultures sur son passage, menace le village et la route de Chamonix. Certains craignent que la vallée ne soit coupée en deux. En 1818, au lieu dit des Moncars, l'hôtelier Pierre Loye se lance dans la construction d'une grande bâtisse en pierre pour héberger les voyageurs qui auraient la mauvaise surprise de se retrouver bloqués par cet obstacle infranchissable. Heureusement, sa maison n'aura pas à jouer les arches de Noé. Le glacier entame son retrait avant la fin des travaux. Les hivers restent malgré tout rigoureux. En mars 1818, la terrible avalanche de la Verte, qui se déclenche sur les flancs de l'Aiguille Verte, manque d'ensevelir une bonne partie des habitants du Lavancher. Quelques minutes avant la coulée, les paysans s'affairaient à terrasser la neige tombée sur leurs champs pour accélérer sa fonte. L'un d'eux trouve la mort, les autres ne devant leur salut qu'à la pause qu'ils s'étaient accordée pour rentrer déjeuner au village. Donc là, voilà, on est dans le contraste total avec la situation d'aujourd'hui. On va au chevet des glaciers, on espère encore les voir. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la mer de glace ne recule pas? Et voilà, c'était 1816, voilà, c'était il y a 200 ans. Et il y a 200 ans, on avait peur que les glaciers coupent la vallée en deux, qu'on ne puisse plus la traverser. Et c'est ça aussi qui est fascinant dans l'histoire de cette vallée, c'est qu'il a toujours fallu s'adapter au climat et à ses effets sur le milieu naturel. C'est des choses qui sont connues dans l'histoire de Chamonix, cette fluctuation des glaciers, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est quand même... C'est difficile de s'imaginer, il y a 200 ans, qu'on faisait des processions pour supplier les glaciers de reculer. On a dû, finalement, ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais ça finit par bien marcher. C'était une inquiétude quand même, ces glaciers. Ah oui, c'était... Pour après devenir la manne, financière de Chamonix, puisque tout le monde venait les voir, mais au départ, c'était quand même surtout très gênant pour les gens. Et je pense que les gens qui vivaient ici étaient quand même très courageux, très résistants. Parce que être paysan ici, c'était avoir toutes les difficultés des paysans de l'époque, plus les glaciers, plus... au milieu de ça, parfois des étés très chauds, malgré tout. Alors l'histoire de ce volcan qui a complètement perturbé le climat de l'Europe, c'est des suppositions. On pense que ça... et je trouvais intéressant de se dire qu'un volcan à l'autre bout de la Terre avait peut-être contribué à l'avancée des glaciers à Chamonix, mais de toute façon, on était dans un vaste mouvement qui a duré 300 ans. À Chamonix, l'enthousiasme est grand. Il a fallu tirer les guides au sort tant ils étaient nombreux à se porter volontaires pour déployer les couleurs de la France tout en haut de leur massif. Mais les festivités ne s'arrêtent pas là, car on apprend bientôt que Napoléon III et son épouse Eugénie ont décidé de visiter les deux nouveaux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en faisant étape dans la vallée de Chamonix. Le 2 août 1860, le conseil municipal se réunit pour mettre au point le programme du couple impérial et de son imposante suite. On décide d'installer un arc de triomphe à l'entrée du bourg, surmonté d'une peinture qui représentera un aigle volant près du Mont Blanc. Un autre arc de triomphe occupera la place publique devant l'hôtel de Saussure, rebaptisé pour l'occasion Grand Hôtel Impérial et de Saussure. Les élus décident de pavoiser les maisons en bleu, blanc, rouge. Les guides de la compagnie seront chargés d'accueillir le cortège impérial à cheval, accompagné d'une centaine d'enfants en uniforme, tous munis d'un drapeau. La fanfare de Taninges, commune située à quelques 50 km de Chamonix, fera le déplacement.
Enfin, des travaux d'élargissement du chemin du Montanvert sont ordonnés. Le coût de ces préparatifs s'élève à plus de 6 000 francs, financé par une contribution de l'empereur, mais aussi par quelques ventes de terrains municipaux. Un mois plus tard, le 2 septembre, tout est prêt. Seul le soleil n'est pas au rendez-vous. À 10 heures, Napoléon III et Eugénie font leur entrée à Chamonix sous une pluie torrentielle. Sur leur passage, il a fallu réparer à la hâte un pont qui s'était effondré. Mais le mauvais temps n'a pas découragé la foule, galvanisée par le son des cloches et des coups de canon. Après ce voyage éprouvant, le couple et sa suite s'installent au grand hôtel royal Ferdinand Eisenkramer. Leur sortie au Montanvert prévue pour l'après-midi est reportée au lendemain. Le soir, la ville en fête, l'arc de triomphe de la place publique est paré d'une centaine de lanternes et on tire des feux d'artifice. Malheureusement, les feux de joie allumés un peu partout dans la montagne sont un peu masqués par les nuages. Le ciel se montre plus clément le lendemain et la caravane se met en route dès 6 heures du matin pour le Montanvert, accompagnée de 60 guides. Tout le monde pose devant les photographes officiels de l'empereur et frères Bisson. Ben là, je trouvais que c'était c'est la visite de Napoléon III à Chamonix, qui est un événement très, très marquant de la vallée. Mais d'abord, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé, grâce aux archives municipales de la ville, vraiment un compte-rendu du conseil municipal où les élus se demandent qu'est-ce qu'on va faire pour la venue de l'empereur. Ils sont prêts à vraiment dépenser des sommes astronomiques, on met des drapeaux partout, tout le monde est mobilisé. Donc, 1860, c'est quand même assez ancien et c'était bien d'avoir cette source-là, c'était intéressant. Et puis, au-delà de cet événement, alors d'abord, vous verrez dans le livre, je trouve que c'est un passage vraiment intéressant parce que vous verrez, on tourne la page, on voit. C'est la dernière grave, oui, qui est là. Ah, non, pas la dernière. Mais... En tout cas, on tourne la page et on a la première photo, qui est du livre, parce que. Il y a tenu à ce qu'il y ait. À suivre. Il y a une chronologie aussi dans l'image. Et là, on va avancer jusqu'en 1892, où il y a plein de soucis à Chamonix. Tu peux dire les deux premiers, si tu veux. Oui. Alors, en 1892, ça, c'est pareil, c'est petit à petit, en bâtissant cette chronologie, je me suis aperçue qu'il y avait des années où, il y avait des conjonctions d'événements. Et donc, cette année-là, d'abord, il y a la catastrophe des thermes de Saint-Gervais. Il y a une rupture d'une poche d'eau dans le glacier de Tête-Rousse. Tout est emporté. C'est vraiment une très grave catastrophe. Il y a à peu près 200 morts. Les thermes de Saint-Gervais sont ravagés, les villages, tout sur le passage. Donc, c'est pas directement à Chamonix, mais pour les Chamonières, c'est évidemment quand même un événement qui les attriste, qui les inquiète. C'est des choses qui peuvent, on le sait, arriver dans toutes les vallées comme ça, sont sous des glaciers. Donc il se passe ça donc, en juillet. Le deuxième. Le Montanvert. Alors voilà, on apprend en même temps que tout ça que des entrepreneurs ont demandé l'autorisation à la mairie de construire un chemin de fer jusqu'au Montanvert. Et pour les Chamonnières, c'est la catastrophe absolue. C'est toute l'économie à cette époque-là, il y a environ 300 mulets chaque jour qui emmènent les touristes vers le Montanvert, vers la Flégère, vers le Brévent. Et donc là, on leur dit non, c'est terminé, les mulets qui sont une vraie manne pour plein de familles, maintenant les gens vont trouver un chemin de fer. Et donc les Chamonnières, leur première action, pour la plupart en tout cas, c'est de dire mais pas question. Donc c'est intéressant de voir que, après ils étaient mieux disposés pour les futures remontées mécaniques, mais là ce truc-là c'était quand même, ils ont bataillé contre, c'était d'ailleurs, on est en 1892, donc il y a des entrepreneurs qui sont prêts à démarrer, et le chemin de fer ne voudra pas avant 1906, donc il a fallu quand même, Et donc il y a un troisième souci. Les soucis ne s'arrêtent pas là. La troisième préoccupation du moment, ce sont les ennuis de la compagnie des guides. Le préfet de Haute-Savoie, François Masquet, envisage tout simplement de la dissoudre. Cette menace est le résultat de 50 années de contestation grandissante contre l'institution. Dans les années 1840, déjà les hôteliers les plus influents, parmi lesquels Ferdinand Eisenkramer, Édouard Terraz et Michel Simon, remettent en question le monopole exercé par la compagnie. Ils se mettent à la court-circuiter en proposant eux-mêmes des guides aux clients de leurs auberges. En 1852, le roi de Sardaigne réussit à calmer le jeu en augmentant l'effectif de la compagnie, mais sans régler le problème de fond. Dans les années 1860, la clientèle se plaint d'être rançonnée par de faux guides qui proposent leurs services pour traverser la mer de glace ou les Bossons. Sur les flancs des deux glaciers, c'est un peu la foire d'empoigne. Chacun veut sa part de gâteau, y compris ses guides pirates.
Un nouveau règlement est alors rédigé pour remettre un peu d'ordre et sommer les accompagnateurs de se comporter correctement avec les touristes. Puis à partir de 1870, la grogne monte depuis l'extérieur de la vallée. Les guides du Valais s'insurgent contre l'interdiction qui leur est faite d'exercer librement à Chamonix. Les clubs alpins suisses, anglais et français produisent plusieurs rapports très sévères contre la compagnie. Beaucoup de ses membres sont considérés comme de piètres montagnards, s'adonnant à la boisson. Le recrutement qui exclut d'office toutes les personnes résidant en dehors du bourg de Chamonix est jugé archaïque. Une seule exception a été consentie en 1882 au bénéfice du dénommé Fritz Schuller, dit Fritz à la grosse. Né à Bonneville, il présentait l'avantage de parler couramment l'allemand et l'anglais. Les alpinistes amateurs dont le niveau technique ne cesse de s'améliorer depuis l'âge d'or ne supportent plus de laisser les pleins pouvoirs aux guides. Ils voudraient pouvoir choisir leur accompagnateur, ne pas se voir imposer l'embauche systématique de 4 personnes pour une ascension du Mont Blanc et payer les courses moins chères. Au bureau des guides, dans le secret de la salle du Tour de Rôle, les discussions sont certainement vives, mais la majorité s'accroche coûte que coûte à ces privilèges. Le 30 décembre 1892, exaspéré par les récriminations et fatigué de défendre les guides sans espoir d'évolution, le préfet Masclet met sa sentence à exécution. La compagnie est dissoute. Tout citoyen peut désormais exercer le métier de guide en Haute-Savoie et donc à Chamonix. Pour cela, il suffit d'avoir gravi le Mont Blanc et 2 autres sommets périlleux de plus de 3000 mètres, puis de passer un examen devant un jury présidé par le sous-préfet comprenant 3 guides et 2 membres du club alpin français. Passé un moment de stupéfaction et de colère, les guides chamoniards réagissent rapidement. 2 mois plus tard, ils sont 245 à se réunir en assemblée générale pour réclamer en vain le rétablissement de la compagnie. Finalement, en mars 1894, ils se regroupent sous la forme d'un syndicat local qui respecte les arrêtés préfectoraux, mais n'ouvre toujours pas ses portes aux étrangers. Bah là aussi, c'est l'histoire mouvementée de la Compagnie des Guides qui elle-même a fait l'objet de livres complets passionnants que je vous invite à lire. C'est ça qui était toujours, quand j'étais dans les histoires de la Compagnie, je me disais, mais là, c'est difficile de synthétiser tout ça et de ressortir les événements les plus marquants. Mais c'est vrai que voilà, moi-même, ayant pourtant un père guide à la Compagnie des Guides, je ne savais pas que la Compagnie avait été dissoute à un moment, Voilà, on voit qu'en quelques mois, les guides ont su rebondir et dire, bon voilà, on est la compagnie, on est le syndicat. Non, on a continué à dire la compagnie des guides, mais voilà, c'était Chamonix, c'est aussi des histoires de rivalité, de jalousie, de monopole, de chacun qui veut aussi profiter de tout ce qui est fantastique ici. Et c'est une histoire mouvementée pour tous ces acteurs, même les piliers de la vallée ont souvent... Ça n'a pas beaucoup changé. Mais bon, il y a aussi des choses sur les guides qui sont positives dans tout ça. Oui, mais enfin, en même temps, la première compagnie des guides indépendantes, elle n'est pas vieille. C'est sûr que la résistance des guides aux étrangers, il faut attendre Roger Frison-Roche, qui a une bonne place aussi dans ce livre, pour ça y est, on s'ouvre un petit peu, C'est encore une fois emblématique de toute l'histoire de cette vallée, je crois. Comme en 1914-18, Chamonix sauve les apparences. Mais la situation est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Et comme partout, les conditions de vie se dégradent au fil des mois. Après l'armistice de juin 1940, on croit que la vallée a définitivement échappé au conflit. Les habitants des Prats, reconnaissants et pleins d'espoir, commencent alors à construire une chapelle. Ils ignorent qu'en 1945, 37 noms viendront s'ajouter sur les plaques des monuments aux morts. Puis viennent les cartes de rationnement qui portent le numéro 116, celui du district de Chamonix. Les produits de l'agriculture et de l'élevage permettent heureusement d'améliorer le quotidien, tout comme le marché noir. Mais le manque de ressources se fait sentir, parfois de manière aussi cruelle qu'absurde. Ainsi, en juin 1942, la mairie, exécutant une directive de Vichy, fait fondre 2 bustes de bronze représentant des personnalités marquantes, celui du docteur Payot, pionnier du ski, et celui de Charles Durier, l'un des premiers historiens de la vallée. Et puis, il y a toutes les actions secrètes de ceux qui n'acceptent pas les exactions de l'ennemi. En 1942, des Juifs commencent à traverser la vallée pour tenter de rejoindre la Suisse. Plusieurs familles les hébergent, et des aïeux aux ouches, et de la rétournée aux pèlerins,
Germaine Chamel dans son hôtel du Buet ou encore les deux villas à Barberine. L'abbé de Valorcine, André Payot, dissimule plusieurs fugitifs dans son presbytère et même dans le clocher de l'église. Quelques guides les conduisent discrètement dans la montagne, comme Léon Balma, qui est un proche de l'abbé Pierre, Louis Pache ou encore Étienne et Michel Payot, tous les deux arrêtés par les gendarmes. En 1943, une association de Saint-Étienne baptisée l'Aide aux mères de famille organise une colonie de vacances au Clos, un chalet qu'elle possède au village des Bois. Les deux responsables, Marie-Antoinette Guy et Juliette Vidal, en profitent pour cacher un petit groupe d'enfants juifs. Par leurs différentes actions, elles sauveront quelques 200 personnes au cours de la guerre. De manière plus officielle, puisqu'il s'agit d'une volonté de la direction des réfugiés, Chamonix accueille à partir d'octobre 1943 un centre Guinemer de... Pardon ? Oui, j'ai peut-être pas bien prononcé. Guinemer, du nom d'un héros de l'aviation pendant la guerre mondiale. Ces centres doivent recueillir les enfants de moins de 14 ans dont les familles ne peuvent plus rejoindre leur commune d'origine en raison des combats. À la fin de la guerre, ils sont plusieurs milliers venus des quatre coins de France à trouver refuge au pied du Mont Blanc. Pour les héberger, on réquisitionne de nombreux hôtels, le Beau Rivage, l'Astoria, le Beaulieu, le Roma ou encore l'Hôtel d'Angleterre. Et on organise un roulement dans les écoles trop petites pour recevoir tous les élèves à la fois. Les jeunes gens de la vallée, de leur côté, cherchent à échapper au service du travail obligatoire qui entre en vigueur en février 1943. Et c'est justement pour leur éviter de rejoindre les usines allemandes que le réalisateur du premier de cordée, Louis d'Aquin, engage de nombreux porteurs. Il dirigera plus tard le comité de libération du cinéma. Encore une fois, des choses qui sont très emblématiques de la manière dont fonctionne cette vallée, c'est qu'en pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a à la fois le tournage du film Premier de cordée en altitude avec des acteurs, on est dans le jeu, on est dans la culture. Et en même temps, je pensais que j'avais un petit peu gardé l'image qu'à Chamonix pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'était entre guillemets pas passé grand chose et qu'on était un peu là-dedans de tout ça. Mais grâce au travail qui a été fait notamment par Karine Détang qui travaillait aux archives de la ville de Chamonix, on voit quand même que il y avait de la résistance, il y avait Chamonix n'était pas non plus complètement hors du temps et coupé de cette période très sombre de la guerre mais il pouvait y avoir à Chamonix d'un côté des hôtels où c'était un petit peu la fête, il pouvait y avoir un petit peu de mondanité et puis d'un autre côté dans l'hôtel d'à côté on cachait des enfants juifs. Encore une fois, c'est ça Chamonix, et pendant la Première Guerre mondiale, on tournait un film, et d'ailleurs pas seulement un film pendant la guerre, plusieurs films. En même temps, je pense que c'est pas le seul lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale où il y avait cette espèce d'ambivalence entre la vie continue, et puis en même temps, la guerre est là, et elle est bien là, et à Chamonix aussi. Pour Maurice Herzog, la mono-économie basée sur les activités de montagne à Chamonix, même si elle reste très dynamique, en rend la vallée vulnérable. Que se passera-t-il si la neige venait un jour à manquer? Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà bien visibles. La mer de glace, par exemple, a perdu 10% de sa surface en 25 ans. Et en 1960, il a fallu installer une télécabine pour permettre aux touristes de s'en approcher depuis le Mont-en-Vert. Heureusement, la grotte, creusée pour la première fois en 1946 par Georges Claret et Charles Simon, ne désemplit pas. Et le train peut désormais fonctionner une partie de l'hiver grâce à l'électrification progressive de la ligne. Mais Chamonix doit impérativement diversifier son offre de loisirs et du même coup offrir un nouvel avenir aux jeunes chamoniards contraints de descendre au Fayet pour étudier dès leur entrée au collège. Maurice Herzog profite de plusieurs opportunités pour bâtir un projet d'envergure. En cette période des Trente Glorieuses, l'État est prêt à verser d'importantes subventions aux communes pour développer leurs structures sportives, éducatives et culturelles. Pour les terrains, la ville peut s'étendre au côté nord, là où s'étaient installés l'ancien casino et la patinoire des Jeux Olympiques. Des terrains idéalement situés au bord du grand parking de la place du Mont-Blanc et au débouché de la nouvelle voie d'accès à la ville qui contourne les gares de l'Aiguille du Midi et du Mont-en-Vert. Enfin, les relations parisiennes de l'ex-secrétaire d'État lui permettent de s'adresser à un grand architecte, Roger Taillebert. C'est ainsi qu'en 1973, trois tours de plusieurs dizaines de mètres de haut s'élancent au-dessus de la ville, entourées de 9 voûtes de béton. L'ensemble abrite sur 6000 km² un collège, un lycée technique, une école hôtelière, une bibliothèque, une maison des jeunes et de la culture, un centre sportif, une piscine
mais aussi la prestigieuse École nationale de ski et d'alpinisme. Le concepteur a promis d'intégrer ce site dans la nature environnante. Avec les Chamoniards, l'assimilation se passe moins bien, même si les équipements proposés rendent évidemment de grands services. Maurice Herzog lui-même regrettera la construction de ces tours qui semblent narguer les montagnes. En 1977, il devra céder sa place de maire à Christian Coutet. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé. L'histoire plus moderne de Chamonix, c'est plus difficile d'avoir du recul, mais en même temps, voilà, on commence un peu à... Alors, d'ailleurs, c'est drôle parce que là, quand on feuillette les pages, vous verrez, il y a des photos de cette période plus moderne. Mais ça a un côté suranné, donc c'est marrant, les années 70 paraissent déjà loin, en fait. Et voilà, moi, ayant grandi à Chamonix, c'est vrai qu'on a toujours dit, oh là là, c'est toujours... En fait, c'est en travaillant sur ce sujet que je me suis rendu compte que malgré tout, c'était quand même fantastique d'avoir aussi tous ces équipements. Nous avons cette magnifique bibliothèque et on n'a pas ça partout. Donc, avec le recul, voilà, j'ai réalisé que c'était trop facile de dire oh là là, mais ces tours c'est affreux, et puis Herzog, il a fait n'importe quoi, et voilà, non, c'est bien plus compliqué que ça. Et il y avait une vraie intention de doter la vallée d'équipements. Moi j'ignorais que, enfin, moi je m'estime très heureuse d'avoir pu faire le collège à Chamonix, et maintenant on peut même. Il y a des classes de lycée, et voilà, alors qu'avant, jusque dans les années 70, les petits chamoniards descendaient en 6e au Fayet, et ça ne devait pas être très facile, en fonction, et l'hiver et tout. Et voilà, et c'est là que c'est intéressant de se plonger un peu dans l'époque plus moderne, même si c'est plus compliqué, parce que là, les sources, elles sont moins nombreuses, donc c'est plus la presse, mais bon, on les trouve, hein, mais c'est... Et voilà, le rôle de Maurice Herzog, voilà, alors c'est pareil, il y aurait de quoi faire un livre entier là-dessus, mais c'est... Voilà, c'est... Puis encore une fois, c'est la richesse de l'histoire de la vallée, d'avoir eu ce maire-là, qui avait l'aura qu'il avait après la Napurna, après son rôle dans les gouvernements. La nuit tombe. Massé au pied de la falaise des Gaillants, des milliers de curieux attendent maintenant l'illumination du Mont-Blanc. Une performance son et lumière qui mobilise 900 participants à toutes les altitudes. Roger Frison-Roche prend le micro et commence à narrer la grande aventure de Paccard et Balma. Des points s'allument progressivement dans la montagne, depuis les alpages, les refuges, les remontées mécaniques, les principales aiguilles et tout au long de l'itinéraire emprunté en 1786. Les nuages masquent toujours le sommet, mais les spectateurs sont transportés par le récit et par les chants des chorales des pays du Mont-Blanc, qui, grâce à des canons à son, résonnent dans toute la vallée. Jusqu'à la fin du mois d'août, les Chamoniards continuent de célébrer en grande pompe ce bicentenaire, enchantés de rester plongés dans leur passé glorieux pour quelques jours encore. Le futur est à inventer, et depuis le projet de construction du train du Mont-en-Vert un siècle plus tôt, les mêmes questions cruciales reviennent sans cesse. Faut-il continuer à équiper la montagne? Comment faire vivre la vallée dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, tout en préservant ce fantastique patrimoine naturel? En tout cas, ce moment du bicentenaire, il m'a semblé qu'il était important dans l'histoire des Chamoniards. Moi, ça m'a marqué. Donc, en 1986, on a célébré les 200 ans de la première ascension du Mont-Blanc. Et c'était une grande fête. C'était un moment vraiment qui rassemblait les gens. Et voilà. Et là, c'est vrai que du coup, j'ai pu, là, seulement, là, au chapitre 9, commencer à me servir de souvenirs plus personnels. Mais voilà, c'est aussi une période, voilà, tourmentée, où on se pose beaucoup de questions, et qu'est-ce qu'on fait dans cette vallée, on s'interroge, et ça... En ce début de millénaire, Chamonix accueille plus de 2,5 millions de touristes chaque année, et continue de danser sur un fil, tiraillé entre son succès et les menaces qui pèsent sur son environnement. Le rêve de ne plus voir de poids lourds circuler dans la vallée ne s'est pas réalisé. Les pétitions, les banderoles, les marches de protestation jusque dans les rues de Paris, les démarches judiciaires, les référendums citoyens, les actes symboliques comme celui des pompiers chamoniards rendant les décorations qu'ils avaient reçues après l'incendie, rien n'a pu empêcher la réouverture du tunnel du Mont-Blanc à tous les véhicules en juin 2002. Et c'est vrai que voilà, le dernier chapitre laisse une large part à l'année 1999, qui a été une année vraiment très dure à Chamonix, puisqu'il y a eu
plusieurs catastrophes consécutives, donc l'avalanche de Mont-Roc, avec 12 personnes tuées dans leur maison, voilà. Ensuite, l'incendie de la salle Michel-Cros, donc vraiment le cœur de la ville, un endroit où les gens aimaient se rassembler, faire la fête, et voilà, tout part en fumée, avec plein de conséquences dans les bâtiments alentours. Puis l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, avec les conséquences qu'on connaît. Voilà. Et une année qui se termine aussi par le décès de Roger Frison-Roche, qui semble partir abattu par tout ce qui vient d'arriver. Donc c'était une année... un symbole. Et voilà, et c'est 1999, c'est presque la fin du siècle et du millénaire. Et voilà, et du coup, c'est vrai que ça aussi, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc est quelque chose, il me semble, qui a aussi rassemblé des chamoniards autour de l'idée de... est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite, avoir une vallée traversée par le trafic des camions, beaucoup d'opposition face à tout ça, et puis après la réalité qui revient, bah oui, les camions reviennent, les camions sont toujours là, après, et ben voilà, on compose avec tout ça, et les années 2000, j'ai l'impression, mais encore une fois c'est difficile hein, d'avoir du recul, là mes sources c'était beaucoup des articles d'actualité, donc le temps va passer, après on arrivera mieux, je pense, à analyser cette période. Là, c'est peut-être la partie du livre qui est la plus journalistique, entre guillemets, parce que les historiens n'ont pas encore pu forcément tout analyser, mais il me semble que depuis les années 2000, Chamonix est plus en train de se dire, bon, on compose avec tout ça, on réfléchit un petit peu avant de faire les choses, ou en tout cas on s'adapte petit à petit. Il y a aussi des petites choses qui se passent, comme toutes ces nouvelles activités que j'évoque après. Voilà, la montagne, c'est plus seulement le ski, l'alpinisme, c'est aussi le wingsuit, les gens qui sautent en l'air, par-ci, par-là, enfin, il se passe plein de choses, et comment Chamonix doit en permanence s'adapter à tout ça, en essayant de peut-être pas aller tout droit dans le mur, comme on a pu le faire avec ce tunnel du Mont-Blanc, qui était, voilà, là encore, il y aurait un livre entier à faire sur l'histoire du tunnel du Mont-Blanc, d'ailleurs, j'en ai consulté, mais... là, il y avait un petit bout de catastrophe annoncée. Alors peut-être que maintenant, on essaye un petit peu plus de prendre des précautions, voilà, d'anticiper un peu plus près, je ne sais pas. Pas surtout, peut-être. Mais bon. Et donc, le roman de Chamonix se termine le 26 mai 2015. Voilà. Chamonix respire un peu, après avoir fait plusieurs fois la une des journaux pour sa mauvaise qualité de l'air. Pendant les pics de pollution hivernaux, les objectifs des appareils photos se braquent sur le fond de la vallée de l'Arve, noyés sous une brume grisâtre. Les médecins s'alarment des conséquences néfastes sur la santé des habitants, notamment des plus jeunes. Les médias font de la surenchère, certains comparant la situation à celle de Pékin, malgré les démentis scientifiques. Les manifestations contre le trafic routier qui n'ont jamais cessé depuis la réouverture du tunnel du Mont-Blanc redoublent de vigueur. Et puis le 26 mai, une image publiée partout comme une bouffée d'oxygène. La plus grande photo du monde vient d'être réalisée et ses concepteurs ont choisi comme sujet le Mont Blanc. 70 000 prises de vue ont été réalisées depuis le sommet du Grand Flambeau près du Col du Géant. Ces clichés réunis offrent un panorama du massif d'une résolution époustouflante de 365 gigapixels. Le Mont Blanc n'est plus qu'à un pas de la Lune, immortalisé par la NASA, avec encore plus de précision. Mais Chamonix n'est pas un astre inhabité, et au pied de la montagne, les hommes ont entre les mains le destin de leur fabuleuse vallée. C'est comme ça que ça se termine. Merci.